Bonjour, je suis Jean Dargoun. Je suis ici avec Marc Cohen, kabbaliste, physicien et spécialiste du pays Qatar. Nous sommes à Rennes-le-Château, dans l'Aude, village ô combien célèbre. Depuis les années 60, ce village a suscité d'innombrables passions. Notre intention, Marc Cohen et moi, est d'apporter un éclairage nouveau sur tout ce qui a pu se dire et tout ce qui a pu s'écrire sur ce village. Nous pensons pouvoir apporter du nouveau. Béranger-Saunière avait beaucoup d'appartenances occultes. On a évoqué des appartenances maçonniques en raison d'une symbolique particulièrement significative qui se trouve à l'intérieur de cette église. On a évoqué une appartenance templière. On a évoqué une appartenance ésotérique par rapport à l'égrégore de la Rose-Croix, du fait que son frère Alfred, qui était localisé sur Toulouse, était rentré dans l'ordre du célèbre Sar Peladan, qui dirigeait un ordre initiatique, donc localisé sur Toulouse. Je voudrais évoquer une appartenance le plus agissant sur la région du Razès et l'égrégore de l'ancien dieu égyptien Seth. Seth, S-E-T-H. Le dieu Seth nous renvoie au chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7? On a véhiculé l'idée que les Visigoths auraient déperonné le trésor du temple de Salomon aux Romains qu'il aurait substitué par Titus en 70 de notre ère. Et l'auraient évidemment, les Visigoths, auraient importé en France et particulièrement dans la région Qatar le trésor de Salomon. Or, il se fait... On a au sol une configuration en forme de damier. Nous avons 8 carreaux en damier ici, 8 carreaux en damier ici. Il y a donc 64 carreaux en damier. 8 fois 8, 64. Mais quand on fait une réduction théosophique, on s'aperçoit que 64, c'est 6 et 4. Ça va donc faire 10. 10 peut être réduit à l'unité, 1. Pourquoi 10? Parce que la conformation de la tour est construite comme un arbre de vie avec les 10 séphirotes. On verra plus haut de quoi je parle. Par ailleurs, on se retrouve ici avec un point rouge, conformément à tous les autres points, et de manière différente. Les autres points sont tous noirs, et celui-ci est rouge. Celui-ci est rouge parce qu'il nous indique la voie initiatique à suivre pour monter dans l'ascension de l'arbre de vie. Il est à noter par ailleurs que le nord se trouve par cette face, le sud ici, l'est de ce côté-là et l'ouest de ce côté-là. Donc on a donc ici une orientation par la voie initiatique qui va carrément au sud-ouest. Nous verrons aussi pourquoi tout à l'heure. Le site de la propriété de la Bessonnière a été édifié sous l'égide d'un arbre de vie. Des recherches extrêmement sérieuses entreprises par un groupe de recherche que je préside en a démontré tous les fondements. Il se fait que nous nous trouvons ici, en haut de la tour, et nous sommes à la position de la Séphira Bina, c'est-à-dire le discernement. C'est le côté gauche de l'arbre de vie. L'arbre de vie est en vue par un personnage à l'envers qui ne voit pas sa face. C'est pour ça que le Bougarache se trouve dans mon dos. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. En revanche, cette tour de configuration et de conformation carrée est bordée par une ceinture de remparts. Eh bien, vous en avez 24. 24 meurtrières, qui correspondent évidemment aux 24 vieillards précités dans la mystique hébraïque sur la Séphira Bina. Donc, cette position de la tour Magdala nous indique de manière éminente